Coucou, bonjour, bonjour, salut à vous tous, la famille de Vicky Moussi, tous ceux qui sont abonnés, qui partagent, que le Seigneur vous comble vraiment de son amour et merci pour tout ce que vous faites dans la page. Aujourd'hui, alors, je vais vous montrer comment je fais mon taro avec ma sauce jaune. C'est une nourriture qui se mange au Cameroun, en Afrique, généralement à l'ouest et au nord-ouest. Mais en fait, maintenant, c'est devenu une nourriture que tout le monde mange. Donc, n'importe qui peut le manger. Là où il se trouve, n'importe quel pays, continent, tu peux essayer ce repas ou cette recette. Alors, je vous montre. Là, c'est le taro. Aujourd'hui, nous avons les gros, gros taros. D'habitude, il y a aussi les petits, petits taros. Là, nous avons les gros taros. Les gros taros, voilà. Là, j'ai le piment. J'ai le sel. J'ai le poisson fumé, les oranges, généralement on appelle les bifaka, voilà ça. Là, on a de l'huile rouge. Là, je vais mettre le jarret de bœuf, voilà. Là, c'est le sel GM qu'on appelle généralement le kanwa. Et voici les condiments de la sauce jaune qui sont déjà écrasés. On en trouve maintenant dans les boutiques africaines, voilà. Donc, je ferme juste comme ça pour que l'odeur ne soit pas partout. Là, j'utilise souvent mon Molinex. Et là, c'est le pilon pour piler le taro. Comme généralement, il y a un pilon spécial, mais moi, j'utilise ce pilon pour le taro. Alors, on va commencer déjà par mettre notre taro au feu. Voilà. On découpe, on gratte, on lave bien, on laisse la peau. Hein. On va bouillir ça avec sa peau. On le poivre et on lave. Voilà. On a déjà le taro au feu. Maintenant, on va découper la viande. Voilà, bien nettoyer la viande, découper. On va mettre l'eau. Et c'est l'eau-là qu'on va prendre à la fin pour faire la sauce jaune. Donc, il faut mettre l'eau, beaucoup. Là, je vais mettre le sel. J'ajoute de l'eau. Je vais mettre. Vous êtes libre de faire, quand vous voulez faire, vous pouvez faire avec le porc, vous pouvez faire avec la chèvre, les tripes, comme vous voulez. Le monde fait avec ce qu'il veut. Mais moi, aujourd'hui, je fais avec le jarret de bœuf. Donc voilà, je mets de l'eau. Et je vais laisser cuire. Voilà, pour ceux qui aiment le piment, j'ai lancé un piment. Ceux qui aiment, vous lancez plus de piment. Donc, on attend que ça cuit pour qu'on prend l'eau. Après, quand ça va cuire, je vais d'abord laisser cuire seul. Après, je vais nettoyer les poissons fumés, si les oranges. Et puis, je vais mettre là, donc, pour le goût. Parce que ça donne un très bon goût. Voilà. Je viens de mettre le poisson fumé. Là, j'ai mis le poisson fumé. Là, c'est en train de cuire. Si vous voyez que l'eau n'est pas beaucoup, vous rajoutez de l'eau. Parce que c'est l'eau aussi que nous avons besoin pour faire la sauce jaune. Voilà, on met notre sème dans l'eau. Après, on va récupérer l'eau là. Voilà, on le laisse tremper là. Voilà, la viande est déjà cuite, donc je vais séparer pour prendre de l'eau. Donc, je vais enlever juste les viandes, les morceaux de viande. Et les morceaux de poisson fumé. Voilà, on a prêté là le sel j'aime dans notre camp, on voit les condiments du taro. Ce sont les condiments qu'on a séchés et puis on a écrasé. C'est beaucoup de condiments. Un jour, quand je serai en Afrique, on va prendre ces condiments. Ça, c'est de l'huile et voilà de l'eau. Moi, j'utilise le Molinex en Afrique ou bien quand j'étais petite, on utilisait comme ça à la main, on frottait dans de l'eau chaude pour chercher le goût et on mélangeait comme ça. Mais moi, ici, j'utilise le Molinex pour bien tourner tout le ménage. Donc, je vais mettre l'eau dans mon Molinex. Après notre bouillon, je mets le kanwa dans la sauce. Voilà. Après, je mets mes condiments. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe, comme ça. Après, je vais mettre l'huile rouge. Et maintenant, je vais mixer. Voilà, regardez.
Il y a même de la mousse en haut, ça veut dire que c'est bien, c'est bon. Là, après, je verse le mélange là. Vous voyez, dans la viande. Voilà notre sauce jaune. Donc maintenant, on va prendre le taro. Voilà le taro déjà cuit. Donc on va le nettoyer pour mettre dans le mortier. Voilà, j'enlève et je mets là dans notre pilon. Voilà, faut bien piler. On pile, on pile, on pile, on pile jusqu'à ce que ça devienne bien lisse, la pâte. Voilà, déjà bien pilé. Maintenant, on va mettre dans l'assiette. Voilà, moi je fais souvent un peu de rond comme ça. Après, je vais faire un trou au milieu. Là où je vais déposer la sauce et la viande. Voilà, je fais juste un trou au milieu pour mettre la sauce. Voilà, je mets la sauce au milieu. Et notre sauce jaune est déjà prête. Vous voulez les légumes à côté, vous sautez les épinards, vous mettez à côté. Vous voulez encore de la viande, vous grillez de la viande, vous mettez au bord. Mais voilà notre sauce jaune déjà prête. Partagez, aimez, laissez les commentaires, dites quelque chose, essayez toujours les repas. Que le Seigneur vous protège et qu'il vous garde. Afin que nous nous retrouvons toujours dans la paix et dans la joie. Merci à tous ceux qui vont regarder, à ceux qui vont laisser les commentaires. Je vous envoie des gros bisous et à la prochaine fois. Merci.